Elle a un joint qui a pété, Geneviève de Fontenay-des-Ingues. Sylvie Tellier. Au lendemain de l'éviction d'Anaëlle Guimby, Miss Guadeloupe 2020, la polémique enfle au sein du comité Miss France. Ce mardi 25 août 2020, c'est Geneviève de Fontenay, ancienne présidente du comité, qui s'est exprimée sur l'affaire. En ne manquant pas de tacler Sylvie Tellier au passage, alors qu'elle devait participer à l'élection de Miss France 2021, Anaëlle Guimby, 20 ans, a été destituée de son titre et de son écharpe, et ce, à cause d'une série de photos réalisées dans le cadre d'une campagne pour la lutte contre le cancer du sein. S'il apparaît clair que les candidates à Miss France ont interdiction de poser nues ou dénudées, nombreux ont été les internautes à s'étonner de cette éviction. Car la jeune femme ne dévoile pas ses seins sur les photos en question. L'exclusion d'Anaëlle Guimby, 20 ans, a donc engendré une vive polémique sur les réseaux sociaux. Face à l'ampleur du scandale, plusieurs anciennes Miss France mais aussi Sylvie Tellier, la présidente du comité Miss France, sont sorties du silence. Et l'affaire n'est visiblement pas prête à se tasser puisque ce mardi 25 août 2020, c'est Geneviève de Fontenay qui a décidé d'y mettre son grain de sel. Celle qui a autrefois présidé le comité Miss France était en effet l'invitée de Jean-Marc Morandini dans Morandini Live sur Tnou et Non Stop People. Et n'a pas manqué de donner son avis. La photo est magnifique, je trouve qu'il n'y a vraiment rien d'indécent. On voit à peine sa poitrine, il y a des fleurs. Cette Sylvie Tellier commence à déménager, elle utilise en plus le comité Miss France, comité qui existe depuis 1954. Essaye maintenant de s'approprier le centenaire des Miss aussi, a-t-elle déclaré en précisant être outrée après cette exclusion. Là, elle dit n'importe quoi. Dans le communiqué qu'elle a fait, c'est elle qui met comité Miss France et elle signe directrice de la société Miss France. Elle se sert du comité et ça c'est inacceptable, a ajouté la dame de 87 ans. Elle a eu tort. Ça n'a rien à voir avec le règlement qui disait qu'il ne fallait pas faire de photos dénudées ou à caractère racoleur. Là, c'est élégant. Sylvie Tellier a un joint qui a pété là. Ce n'est pas possible. Il faut quand même qu'elle arrête, a continué Geneviève de Fontenay. Point supérieur à lire aussi, Élodie Gossuin. Comment elle a tenu tête à Geneviève de Fontenay le soir de son élection à Liénor de la Fontaine.